السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم مدو، صباح. Et toi? Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخونا، كيف حالك؟ خير الحمد لله. Ouais, ça va, alhamdulillah. On الحمد attend un لله. peu, quelques minutes qu'il y a du monde qui, il y a plus de monde qui se connecte là pour les تمام. retardataires, et puis après on va commencer, inshallah. تمام إن شاء الله. Wa alaikum salam al-akh Hisham. الله يبارك فيك. صباحي en Égypte. Ouais, ça va bien, ça va, alhamdoulilah. Il fait pas trop chaud, quoi. Franchement, le temps, il est pas excessivement chaud là. Franchement, ça va. Là, Là, c'est très bien. c'est bien, Et, voilà. Là, t'es au Caire, alors. Ok, ouais. Ok. Bismillah, vas-y, on va commencer. Hein. De toute façon, le live, je vais le reposter. Ceux qui sont par là, ils pourront le voir. Donc, Non, c'est bon. moi, je vais me présenter, comme on ne se connaît pas beaucoup. Moi, Non. c'est Mohamed Lamine. Je suis en Maroc. Ça fait combien de temps là? Ça fait bientôt, va faire bientôt 6 ans là. Et Non. avant ça, ben, j'ai fait l'Égypte, tu vois. En plus, mon beau-frère, il m'a dit qu'on t'aurait vu là-bas, mais je me rappelle plus qu'on a là. Il y a 6 ans. J'étais en Égypte en 2015. Ah, c'est possible, ouais. J'ai fait deux fois l'Égypte. J'ai fait en 2010, je suis resté 2 ans. Et en 2015, j'étais resté 6, 7 mois comme ça. Ah, Ouais, sept d'accord. mois environ. Et la première fois que j'ai vu tes vidéos, mon beau-frère, il m'a dit, mais t'habitais où en 2015? Dans quel quartier? Alors, attends, 2015, j'étais peut-être à Tadjamour, à Ouel, peut-être. Ah ouais, Non. Elle moi j'étais à Rbaonos, mais bon, j'allais à Ouel des fois. On a dû sûrement se est à rencontrer. Ouel? Ah, non. Ouais, j'allais souvent, j'habitais dans le ghetto. Inch'Allah. Rbaonos. Ouais, donc là, Inch'Allah. maintenant, là, Bah, c'est ça là que je suis maintenant, moi. fait. Ah, t'es passé dans le ghetto, mais Ah, oui, là. Rbaonos, c'est spécial parce que, subhanallah, le quartier, les ghettos, mais les appartements, ils sont super beaux, subhanallah. Bien, bien, ouais. Les appartements, ils sont super beaux, mais le quartier, Peux vous montrer c'est là une si bonne vous après je ambiance. peux remonter. Vas-y, bismillah, inchallah. Et donc, ouais, voilà, moi, je suis au Maroc. Bah, avant, j'ai fait l'Égypte, 2 ans, le Yémen. Après, j'ai refait l'Égypte. Et après, j'allais souvent dans le Golfe et tout ça. Mais sinon, depuis bientôt 6 ans, je suis installé au Maroc. À Tanger, hein. Ouais, à Tanger, ouais. Bientôt Moi, 6 ans. j'ai de la famille là-bas. J'ai mon beau-frère aussi qui est installé là-bas depuis au moins 2-3 ans. Sur Tanger ou au Maroc? Au Maroc, non, à Ah, Tanger. au Maroc. Ah ouais. C'est peut-être que je le connais alors. Peut-être. Ouais. Ah bon, Peut-être tu me on diras ça. ouais, Ouais, ça tu me va. diras ça en off. Non, ça Et va. voilà. Donc, bismillah, si tu peux nous dire un peu ton parcours pour les gens. Marhaban. Non. Ben moi, je suis le frère Abou Mouslim. Donc, je suis d'origine camerounaise. Et Voilà. voilà, je suis converti depuis 20 ans. J'ai 42 ans, marié, 3 enfants. Inch'Allah. Et moi, je suis, la première fois que je suis parti de la France, effectivement, c'était pour venir en Égypte. Subhanallah, j'ai eu sur Facebook, tu sais, des fois, ils nous mettent, tu sais, des souvenirs à des publications qu'on a mises dans le passé. Et le 15 avril, j'avais mis sur Facebook, dans 10 jours, le départ pour l'Égypte. 15 avril 2013. D'accord. Donc ça veut dire que je suis parti le 25 avril 2013, la première fois que j'étais parti de France D'accord. pour l'Égypte. Et donc voilà, donc j'ai fait l'Égypte. Après ça, bon, comme vous savez, en 2013, c'était un peu compliqué. Donc, Bon, on était reparti. Ouais. c'était le problème avec Sissi, je crois, ça, non?
avec Morsi, qui est le président. Morsi. Non, qui a été. Ensuite, après ça, j'ai fait la Mauritanie. D'accord. 2014, janvier 2014, j'étais en Mauritanie, j'ai fait 6 mois. Et après ça, je suis revenu en musique. Voilà, donc moi, j'ai étudié un petit peu à l'USH. Je suis toujours en gros, hein, on se prétend à la Bélerine, on essaye de s'accrocher, quoi. Hein. Voilà, donc j'ai mémorisé le Coran depuis 2004. J'ai fait l'USH, j'ai terminé le cursus là-bas. Et après, tu l'as mémorisé en France, le Coran, parce que j'ai vu que avant de partir, tu étais déjà imam. Tout à fait, oui. Mais j'ai mémorisé, c'était en Angleterre. Ah, en Angleterre, d'accord. Non, à l'époque, en 2003-2004, en Angleterre, c'est là-bas que j'ai cherché un endroit à l'époque pour apprendre le Coran. C'était soit j'allais au Maroc, soit à l'île de la Réunion, soit au Pakistan, tu vois. Mais à l'époque, après, vous savez, tu sais, après 2001, moi, c'est au Maroc vraiment que je voulais aller pour apprendre mais juste après 2001, là, en fait, les mashaikhs du Maroc, ils voulaient pas trop prendre des gens de l'Occident et tout, donc c'était pas propre, enfin, ils ont pas, ça s'est pas fait. Et donc, j'étais en Angleterre. Ça s'est très bien passé. D'accord. J'ai appris avec les Pakistanais. D'accord. Ouais, parce que moi, je connais un frère de Clichy Soubois, il est parti en Angleterre aussi, il a appris le Coran là-bas. C'est pas Jafar? Tu connais Jafar? Non. Jafar, mashallah. Ben, Jafar, il a appris là-bas, en Angleterre. Non, c'est pas Jawed. Jawed aussi, il y a un frère qui s'appelle Jawed. Ah, Jawed, ça c'est... Jawed. Jawed, il avait une très très belle récitation de Jawed. Il m'avait dit qu'il avait appris en Angleterre. Non, franchement, ça fait... J'ai plus de nouvelles de lui, mais Jawed, il m'avait dit qu'il avait appris en Angleterre, machallah. Ok, la ma bère. Ouais, Jafar, lui, il était en Mauritanie aussi, je crois. Je pense pas, c'était son ami. Il s'appelle... D'accord. Ok, ouais, je ne le connais pas. D'accord. Ok, alors, Mubarak. Donc là, et là, depuis donc 2013, et là, ça va faire bientôt 10 ans, 8 ans, 8 ans que tu es en Égypte, là. Voilà, c'est ça. Donc là, voilà. Donc là, j'ai beaucoup profité avec l'Oustaz Mahmoud. Je pense que tout le monde, enfin, tous ceux qui sont au club, ils le connaissent. Mahmoud. Passé avec lui, Chafiri. Ouais, Mahmoud Chafiri, c'était le professeur de. Il était dans quelle école déjà? En fait, lui, moi, je l'ai connu, il avait son merkez, en fait, il enseigne, tu sais, les livres de Elfie Ebn Malik, Al-Jumuya, tout ça. Mashallah. Parce que je sais que quand j'étais en Égypte, il était dans un merkez. Il enseigne dans un merkez. Mais j'ai oublié ce truc. Je sais pas quel merkez c'était, en fait. Ouais, non, c'était en face de merkez Al-Furqan, il y avait un merkez, il enseignait là-bas, j'ai oublié le nom du merkez. C'était à l'époque. Ah, à Ouais. Ou Marquez Ouais. Marquez Ouais. Ah, ouais, là, il enseignait. En fait, il utilisait les locaux de là-bas, il enseignait là-bas, effectivement. Ah, là, d'accord. Il faisait les livres à lui, mais il a utilisé les locaux, d'accord. Pas les livres à lui, il faisait, tu vois, les livres de référence, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Elfie Ebn Malik, Fatr al-Nada, tout ça. D'accord, mashallah. Allah mabarak. Et donc, et donc, c'est par rapport à ça, tu as choisi l'Égypte, quoi, par rapport au fait que c'était pas possible d'aller ni au Maroc. Ouais, voilà. Après, ça, ce qui a aidé, c'est toujours pareil, c'est mon beau-frère, on va dire, tu vois, la sœur de mon épouse qui était déjà en Égypte. C'est ça qui est, machallah, qui a été la cause que j'ai été au départ. Et d'accord. Machallah, la mauvaise. Et donc, tes enfants, ils sont nés en Égypte ou. Ah non, ils sont nés en France, non. C'est en France. J'ai eu ça va, parce que dans tout ce temps-là, il y a eu des périodes où j'étais en France, notamment pour des fois c'était pour les accouchements, des fois pour. D'accord. Toute l'année 2018, par exemple, j'étais en France. Et tes enfants ils sont bien adaptés à l'Égypte, ça y a pas eu de problème par rapport à ça. Non, parce que depuis qu'ils ont quatre, mon premier fils depuis qu'il a 4 ans en fait, il était là-bas, il était en Égypte donc. D'accord, en parlant des enfants, est-ce que
Les enfants en Égypte, ils apprennent bien l'arabe, tout ça. Alors voilà, donc en ce qui concerne les enfants et surtout les petits-enfants et l'apprentissage de l'arabe, franchement, je ne suis pas là pour vendre du rêve ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire que pour les enfants surtout, les petits-enfants, il faut bien préciser, c'est l'idéal. Moi, je vous dire succinctement, mon fils, il avait 4 ans, surtout à cet âge-là, en fait, 3 ans, 4 ans, mais même si c'est à 7 ans, 8 ans, c'est vraiment l'idéal parce qu'il est. Il est dans le compte, il est dans le moule avec d'autres enfants de partout, soit des États-Unis, de Russie, d'un peu partout. Et dans l'école, les profs, les enseignantes, elles connaissent que l'arabe, donc il est baigné dedans. Donc il apprend vraiment sans apprendre, en fait. C'est pas des cours, tu vois. Donc le petit, C'est l'immersion, quoi. une immersion. Après, c'est vrai que. Moi, dans mon cas, comme moi, je maîtrise bien l'arabe, en fait. Mais mon premier fils, jusqu'à ses 3-4 ans, ben moi, j'ai pas eu la présence d'esprit de lui parler en arabe. Je voyais pas comment on procédait, en fait. Jusqu'à ses 3 ans, 4 ans, je lui parlais en français. Mais quand on est venu en Égypte, et au bout de 2 mois, 3 mois, le temps que je suis parti, j'ai voyagé, 2 mois grand max, je reviens, je le trouve, mon fils, il parle l'arabe. Après, c'est vrai qu'il y avait ses cousins aussi, d'accord, qui est l'arabe. Mais voilà. Et quand j'ai vu que mon petit parle l'arabe, eh ben, j'ai enchaîné avec lui en arabe. Et jusqu'aujourd'hui, franchement, je ne dis jamais un mot d'arabe à mes enfants. Par contre, avec leur mère, ils parlent français. Et ça, c'est très D'accord. important, en fait, en guise de Bien, conseil pour. qu'il soit bilingue, qu'il soit bilingue, ouais. Voilà, c'est ça. Pas mélanger. Moi, en tant qu'interlocuteur, toujours, je lui parle arabe. Même pas un mot, vraiment très rare. Des fois, quand ils vont me donner un mot, ils vont me demander un mot, c'est vrai, je l'explique, je dis la traduction des fois mais sinon, jamais, jamais, même quand je suis fâché, même pour les engueuler, pour tout, que l'arabe. C'est bien que si je leur parle français, ça va leur faire bizarre. Mais pas, et leur mère, que français sans mélanger. Ça, c'est très important pour qu'ils évoluent bien. C'est possible, hein. C'est possible. Quand il y a des pères, surtout les pères, les frères qui maîtrisent bien l'arabe, il faut qu'ils fassent ça. Il faut pas qu'ils se disent non. Voilà, ça, mais voilà. Donc pour les enfants, c'est vraiment l'idéal dans ce domaine-là. Et même pour les adultes, en fait. Au niveau des merkez, franchement, moi je les vois, en fait. Moi, j'ai pas appris l'arabe en Égypte, quand je suis arrivé en 2013, j'étais déjà arabophone. Mais les gens, je les vois venir tous les jours. Je les vois venir, même pour acheter des tomates, les frères disent, ah, tu m'en fous pas. Tu vois, les frères, ils galèrent. Mais au bout de 3 mois, tu vois le frère en train de parler avec un Égyptien ou avec un frère, tu te dis, subhanallah. Et c'est vraiment très efficace. Moi, je le vois. Moi, Allez. je le dis pas assez, mais même Moi, au c'est niveau vrai. de. Franchement, j'ai une chaîne YouTube, effectivement. J'essaye de m'y mettre. Bon, c'est un peu difficile pour nous, c'est pas trop notre génération. J'ai 42 ans, j'essaye de mettre à Elle la va page, mais je suis pas faciliter, elle va très. faciliter, mais justement, je vois que tu sortes, parce que moi j'essaie de suivre un peu tes cours et tu parles plus Ouais. en arabe qu'en français. Avant tu parlais plus en français, Voilà. désormais tu parles plus en arabe, pourquoi? Voilà, très bonne question. Moi, tu sais, j'étais imam en France depuis 2007. Voilà, depuis tout ce temps-là, j'étais imam. Et j'ai toujours dit aux fidèles, aux frères qui me connaissent, je dis, moi, je parle français, mais l'année prochaine, c'est terminé, je vous le dis. Hein, et c'est une décision que j'ai prise. Mais pourquoi, en gros? Parce que je vois bien que, wallah, il n'y a que quand c'est comme quelqu'un que tu jettes dans l'eau. Il n'y a que comme ça que les gens apprennent. Tu sais, il y a des frères, tu sais, nous, surtout les Français, ou n'importe quelle langue, je pense, mais surtout le français, c'est hyper difficile d'apprendre une langue. Pour certains, c'est hyper difficile, voire il y en a certains, tu te dis, ils n'arriveront pas. Tu vois? Faire des cours et tout, c'est hyper lourd. Mais par contre, quand tu n'as pas le choix, tu es dans des situations, tu es au marché, tu es dans les transports et tout. Et là, tu es Au pied du obligé de te mur. débrouiller T'es au au pied du pied du mur. mur. Et c'est là que les gens apprennent. Je te jure, il y a des frères, je te jure, même dans le merkez, c'est peut-être même pas là qui profitent. Parce que c'est l'école, hein, ça rigole pas. C'est l'école, ça veut dire les gens qui sont dans les merkez. Moi, ma femme, elle a fait tout le cursus. C'est l'école. Tu sais qu'il y a des gens, même moi, je suis bon en anglais de base, mais tu me mets dans un cours d'anglais, je suis sûr que je vais avoir des mauvaises notes. Moi, j'ai plus profité en arabe dans mes voyages. Tu vois, en fait, on a appris les bases, j'ai appris les bases à l'école en Égypte et tout ça. Mais là où j'ai profité,
C'est lorsque j'étais au pied du mur. Je prenais le bus. Moi, j'ai pris le bus du Yémen jusqu'à Dubaï. J'ai fait au moins 6 fois. Du Yémen jusqu'à Dubaï. Je prenais le bus. J'étais qu'avec des Arabes dans le bus, tu vois. Ça veut dire Ouais, que je vois. j'avais pas le choix. Et J'étais puis au même pied du mur. leur anglais, il est Non, fatigué, tu vois. l'anglais, c'est même les enfants à l'école en France, ils parlent mieux l'anglais qu'eux. Ça veut C'est dire que tu ça. es au pied du mur. Et c'est comme ça que tu vas apprendre l'arabe. Quand tu es au pied du mur, tu n'as pas le choix. Je prenais l'avion, je suis parti au Koweït. Et j'ai plus profité. En fait, on ne se rend pas compte que l'école, ça te donne, ça te met le pied à l'étrier, mais ce n'est pas ça qui va te donner l'arabe. Parce que je pense que tu as pu le voir. Plein de frères en Égypte, ils ont fini les marques, mais ils ne savent pas parler. Voilà, ça arrive, ouais, c'est ça. Parce Plein que de nous frères. aussi, parce que voilà, il faut le dire, quand on est ici en Égypte, c'est naturel, hein, après, c'est pas mauvais en soi, mais on est entre nous souvent, tu vois. Au final, quand tu regardes bien, des fois, on n'a même pas d'amis égyptiens qu'on fréquente, en fait, tu vois, on les rencontre. Et même les Américains ou les autres ou les Russes, en fait, chacun reste entre soi, en fait, tu vois, les Russes restent entre eux, des groupes Telegram entre eux, tu vois, et puis finalement, t'as des gens, effectivement, ça fait 5-6 ans qu'ils sont ici. Ils ne parlent pas. Tu vois, jusqu'à présent, Ouais, les gens, chacun reste avec les gens de sa communauté et tout ça. ouais. Ouais, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Et donc, Macha, donc tu disais pour les enfants, donc c'est quoi aujourd'hui si une personne elle veut venir parce qu'il y a eu des questions déjà parce que je sais Ouais, qu'on juste sait que pour terminer pour mes cours, et je Bismillah. disais que juste qu'au niveau des interventions que je fais, moi j'essaye, hein, mais après les gens me rattrapent, disent, Harry, nous on comprend pas, faut que tu traduises et tout. Mais moi j'avais pris la décision que moi je parle que l'arabe pour moi déjà, parce que même pour nous, pour profiter, il faut qu'on le parle. Et aussi pour que les gens ils s'habituent, et je pense que mon arabe il est plutôt simple, que les gens s'habituent à ça, quoi. Mais le fait de faire des cours, parce que j'en ai déjà fait, des cours d'arabe aux frères. Des fois, pendant des années, tu fais des cours aux gens, mais tu vois pas le résultat, en fait, tu vois. Donc, il faut qu'on soit dans le bain, quoi. Donc, Non, qu'elle est ouais. facile. En tout cas, bah, c'est qu'elle ouvre les portes du khair. Et donc, Amen. malheureusement, l'Égypte, elle a une réputation d'être un peu instable. Est-ce que c'est une info ou c'est une intox, c'est une vérité ou pas? Non, franchement, sincèrement, moi, maintenant, j'ai l'habitude avec l'Égypte, hein, on peut dire que j'ai fait. En tout, quand on rassemble tout, j'ai fait 5-6 ans plein en Égypte. Et je sais qu'au niveau des médias, ils font toujours parler d'eux, en fait. Tu vois, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mais quand tu es au quartier, tu vois, justement, à Arba Aounous, c'était dans le quartier où on est. Et en règle générale, on est tranquille, franchement, faut le dire. On est tranquille, c'est-à-dire que les policiers, sincèrement. Après, bien sûr, ça peut arriver. Faut pas tomber sur eux, quoi. Tu vois, quand tu tombes sur eux et qu'ils ont décidé que c'est ton mauvais jour, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Mais franchement, les policiers, ils sont pas derrière toi. C'est pas un pays où on te contrôle beaucoup. Quand tu restes au quartier, hein, je parle, hein. Pas quand tu vas dans les grands axes, si tu vas à l'aéroport ou si tu fais, tu vois. Mais en général, ils te laissent tranquille. Tu vois, les policiers sont pas derrière toi. Tu fais ta vie, et moi je le vois, quoi, tu vois. Les frères arrivent tous les jours, là, les frères pour le Ramadan, beaucoup sont venus, ça fait des allers-retours, ça se passe plutôt bien. Franchement, voilà, c'est pas pour endurer ou quoi, mais on est là, et franchement, ça se passe. D'accord. Et actuellement, une personne qui veut rester pour obtenir l'Ikama, ça se passe comment? Parce que malheureusement, le problème en Égypte, c'est que ça change tout le temps. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Ça change tout le temps. Et au niveau de l'Iqama, là, depuis, on va dire, 2-3 bonnes années, voire 4 années, avant, tu renouvelais ton Iqama 3 mois, 3 mois, 6 mois, 6 mois, automatiquement. Maintenant, ouais, c'est vrai, clairement, ici, une fois que tu as fait 6 mois, ils te le renouvellent pas. Donc, tu rentres, en fait, tu deviens, voilà, sans papier, quoi, clandestin. Sans C'est-à-dire papier, ouais. que t'as pas d'Iqama en règle. Mais même avec ça, franchement, voilà, moi je vais te dire, on peut le dire, c'est le cas de plusieurs personnes. En fait, ça fait plusieurs années, ça fait 2 ans exactement, que j'ai pas d'Iqama, ok? Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu vas sortir, tu vas payer l'amende. C'est tout. Et quand tu sors, tu payes l'amende. C'est vrai qu'elle est un peu salée. Enfin, de tête, je vous dirai les barèmes après. Ça commence à 500 livres égyptiennes, et puis pour tous les 3 mois, tu rajoutes. Non, ça commence à 1000 livres égyptiennes à peu près, et tous les 3 mois, tu rajoutes. Donc, je fais le calcul. Sachant que 1 euro, c'est 20 livres. Je fais le calcul maintenant. D'accord, un Et euro, c'est 20 livres.
Ouais, 18 ans. 18 ans. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà, c'est quand au moment de sortir, tu payes ton amende. Mais sinon, même ici, même si tu te fais contrôler sur la route, par exemple. Moi, ça m'est arrivé, j'ai ma moto, tu te fais contrôler, mais les policiers, ils sont là pour voir si t'as les papiers de la moto. D'accord? Et ils sont pas là pour regarder si ton visa est en règle, tu vois? Pour te dire, je me suis permis, là, il y a 2, 3 jours, je pourrais te le raconter si tu veux. J'ai fait un voyage à Assouan, j'ai accompagné un frère qui est parti au Soudan, qui est arrivé au Soudan. Ah, le frère, Ouais, il m'a contacté. Il m'a non, je devrais. dit que c'était l'un des pires voyages. Non, non, Ah, non, tu es non. parti Déjà, moi, jusqu'à Assouan. jusqu'à Assouan, parce que le frère, tu vois, il est pas, tu vois, il parle pas l'arabe. J'étais inquiet pour lui, donc j'ai dit, je faut que, comme je l'ai, il est venu chez moi une semaine d'abord, au Caire, et D'accord, donc il est petit, après, il m'a contacté, il m'a dit l'arrivée, il m'a envoyé la photo, il m'a dit le Soudan et tout ça. ouais. Non, non, non. Et puis c'est l'occasion parce que je voulais visiter Assouan, c'est la fameuse ville, les Arabes, les Les Égyptiens noirs, les Égyptiens Libyens. noirs. Mais Non, tu donc nous en j'ai parleras été, après, tu nous en parleras après, Inch'Allah. Non. Donc j'ai été là-bas, le voyage était long. Normalement, c'est 10 heures de voyage en train, tu vois. Mais là, c'était encore plus long, il y a eu un petit souci. Donc c'était vraiment. Mais ça va, dans le train, ça va, tu vois. Première classe, ça va, quoi, tu vois. Les sièges sont grands, tu es plutôt à l'aise. Il y a une belle vue parce que tu longes le Nil pendant tout le trajet, tu vois, tu vois Ah ouais, les agriculteurs. mashallah. Et tout, tu vois. Mais voilà. Mais après lui, pourquoi on parlait de lui? Parce que Ouais, tu me disais qu'il n'était pas arabophone, etc. Tu l'as accompagné. Et puis après, j'ai oublié. Ouais. Moi, j'ai zappé. Mais ouais, Non. tu. Ah, Spanala a dit donc tu es parti jusqu'à Aswan. Spanala, en gros, tu me dis par rapport aux Ikama, tu es parti et tu as fait le Voilà, voyage je me suis tranquille. Allez. permis, parce que moi des fois je parle, je me suis permis d'aller là-bas en sachant tellement c'est un pays où ils nous prennent pas la tête. Je sais que je peux faire 800 km aller-retour en sachant que je suis pas en règle dans mes papiers, tu vois. Et effectivement, les contrôleurs, ils viennent avec un policier, mais c'est par sécurité, mais j'ai eu aucun contrôle, tu vois, dans tout le trajet. Tu vois, donc, c'est juste pour dire Alhamdoulillah. Ok, bah ça fait qu'Allah plaisir d'entendre ça parce que des fois, tu entends des frères, ils font un peu peur, tu vois. Ils disent, ouais, nous. on se cache et tout ça. Non, après, de temps en temps, là, par exemple, juste avant, de temps en temps, par exemple, au quartier, on entend que, tu vois, il y a des policiers qui sont venus, il y a des contrôles, donc il y a des moments où, tu vois, il y a des moments comme ça où c'est un peu, mais c'est vite fait, quoi, tu vois, franchement, D'accord. même moi, voilà, quoi. Alhamdoulillah. Et donc, il y a un frère, les questions qui reviennent souvent, c'est Non. actuellement, c'est quel merkez le meilleur merkez pour apprendre la langue arabe? Bah, si c'est mon avis, tous les merkez, globalement, tu vas trouver le même contenu, d'accord? La même méthodologie, à peu de choses près, d'accord? On va dire que Ibana, ce sera plus de la grammaire, on va te dire que phase, ouais, phase, ce sera plus de l'oral. Voilà quoi. Donc chacun ce qu'il veut. Mais en réalité, que ce soit à Ibana, où on dit qu'on fait plus du nahw, et c'est vrai, franchement, tous ceux que j'ai vus qui sont partis à Ibana, ça reste dans leur tête, quoi. Même mon beau-frère, pareil, jusqu'aujourd'hui, hein, ça fait peut-être 10 ans, hein, qu'il a fini Ibana. Que je dis pas de bêtises. Mais plusieurs années. Je suis sûr que tu lui poses des questions encore aujourd'hui sur le nahw, il te répond comme ça. Tu vois, Normal, ouais, je. normal, ouais. C'est vrai que Non, ouais. ceux qui vont à Ibana, ils sont très très forts en termes de grammaire en Non. général. Et mais le après pour parler, c'est propre à chacun en fait. Tu vois? Ils ont un Il y a déficit un des peu. personnes. Voilà, parce que moi avec mon beau-frère, bon, je parle beaucoup de lui, mais tu vois qu'Allah, je sais pas ce salam si je lui enverrai la vidéo parce que chez lui il est pas trop réseaux sociaux. D'accord. Ça. Non. Mais lui et moi par exemple, lui et moi, on se parle pas français depuis qu'il a commencé, depuis les premières années qu'il a fait à Ibana, les premières Moustawa, dès qu'il a commencé à mettre le pied à l'étrier, parce que c'est la chose, voilà, normalement, entre nous, c'est quelque chose qu'il faut faire, normalement, entre nous. On parle On l'arabe se entre nous, parle en histoire arabe, de normal. se. Et nous, on a tenu ça. C'est-à-dire que lui et moi, on parle jamais en français, jamais. Alors, ma Très, tu vois. Et il y a pas mal, il y a quelques frères
avec qui c'est comme ça, quoi. Enfin, on parle toujours l'arabe, tu vois. Et c'est comme ça que. Ah, c'est vrai que malheureusement, le problème de certains frères, quand j'étais en Égypte, c'est que beaucoup de frères, ils viennent et malheureusement, ils font pas l'effort d'essayer de parler en arabe. Déjà, rien qu'entre français, ils vont pas cet effort. Non, Et puis non. même avec les Égyptiens, tu vois, et après, ça fait qu'ils repartent et ils n'ont pas la langue arabe, alors que Non. c'est ce qu'ils étaient venus chercher, malheureusement. Ouais, ils se mélangent pas, tu vois, parce que c'est vrai, malheureusement, des fois, après, ça dépend du caractère de chacun, mais tu vois, c'est vrai, les Égyptiens, bon, c'est comme partout, quoi, tu vois, des fois, ils nous cassent les pieds, quoi, tu vois, dans les commerces, et ben, voilà, ceux qui vont se commercer. Non, mais juste, non, c'est ça. Et, mais il faut se mélanger avec eux un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Il faut se mélanger avec eux, faut parler, tu vois. Bon, de toute façon, on a des contacts avec eux, que ce soit nos propriétaires, nos trucs et tout. Par la force des choses, tu vois, on les fréquente. Donc, quand même, les gens, la plupart des gens, quand même, ceux qui sont Non, mais ici. les Égyptiens, subhanallah, tu vois, quand tu es en Égypte, ils te fatiguent, tu vois. Mais quand tu es loin de l'Égypte, ils te manquent. Il te manque. Ils te Wallah, manquent. Moi, quand je quittais l'Égypte, tu vois les babouebs et tout ça, là, qui ramassent les trucs dehors et tout ça, je pense à eux, je dis, ah, ils me manquent. Quand tu vois en France, tu repenses à. Le gars, tu le vois tous les jours, peut-être, ça se trouve, tu ne le calcules pas, mais lorsque tu es en France, il te manque, subhanallah. Les Égyptiens, ils sont très attachants, tu vois. C'est juste que, bon, quand tu es là-bas, des fois, ils ont un tempérament, il est différent de ce qu'on a pu connaître, mais c'est des gens qui sont très, très Donc, attachants. pour répondre à ta question, excuse-moi, parce que moi, c'est moi qui je m'égare à chaque fois. Mon avis, moi, j'étais en contact avec le responsable de l'école, comment ça s'appelle? Lisan al-Arab. Lisan al-Arab. En fait, parce que Kalima a fermé, c'était à peu près le même programme que Kalima. Mais eux, là-bas, c'était très bien. D'autant plus que dans cette école, il n'y a pas beaucoup de Français. Il y a beaucoup plus d'Américains, de Russes. Et donc, d'autant plus, tu vas progresser parce que d'après ce que je sais, tu vas à Ibana, il y a vraiment beaucoup de Français, tu vas à Forfa, il y a vraiment beaucoup de Français. Donc là, tu vas te faire des amis russes, anglais, tout sur le trajet, donc tu vas progresser. Et en plus, le programme, il est très bien, quoi, tu vois, entre l'oral et la grammaire. C'est un mix. Franchement, ouais, franchement, moi, c'est mon avis, hein, après. Mais en règle générale, tu sais, après, les fois, les frères, ils aiment bien faire des débats. Non, là, c'est mieux, là, c'est mieux. Les frères, ils font des va-et-vient entre les Marquises et tout. Moi, les frères qui viennent et qui font un peu trop de, qui gesticulent trop comme ça, moi, je leur dis, les frères, tu vas partir, tu vas trouver la même chose. Reste dans ton, que ce soit à Bah oui. Fourfrance, que ce soit à Ibana, que ce soit à Lisan al-Arab ou Fajr, reste constant, fais tes devoirs et tu vas arriver au même résultat. Il y a des frères, malheureusement, moi j'ai vu ça aussi en Égypte, il y a des frères, ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que toujours, ils vont changer de merkez. Ils entendent que l'autre merkez là-bas, ils font ça, ah, nous, on n'a pas fait ça. Tu vas le voir. Peut-être que tu vas pas le voir en même temps, mais tu le verras un peu après. Et ceux qui n'avancent pas, c'est ceux qui sont tout le temps de merkez, etc. C'est pour ça qu'il faut de la constance. La Puis les constance. pauses, comme c'est des modules de 1 mois et 1 mois et demi, des fois ils font des pauses, ça faut c'est déconseillé ça, les pauses. Ouais, bah, Genre, les pauses, les pauses. je me repose 2 mois, je reprends après. Non. Là, en plus, surtout quand tu n'es pas dans ton pays, tu sais pas quand tu vas partir, faut tout donner. Ouais, non. Ouais, d'accord. Et Lisan el-Arab, c'est dans quel quartier ça? Ça, c'est en fait, c'est quand tu sors de Arbaounou, c'est entre. Comment expliquer? C'est à. C'est à Mustapha, Achir. Mustapha, ah, c'est à Achir, ok. D'accord, à Ouais, Achir. c'est à Achir, non. C'est à Achir. D'accord. C'est. Et Fourkan, c'est à Achir aussi. C'est ça, exact. Non. Et Ibana, c'est toujours à Haïtamine. Aïssamine, non. Mais tout est plutôt proche, hein. C'est pas un peu. Ils sont tous à côté. Et la grande avenue, là, Mustapha Nahas, ils ont enlevé les bus là, qui passaient au milieu là. Tu sais quoi, l'Égypte, c'est un changement incroyable. Tu sais quoi, ils ont construit je crois, des centaines de ponts là. Depuis l'année dernière, depuis le Corona, Ah ils ont mis des ponts partout. C'est Ah incroyable. Tout a changé. ouais. Ouais, si déjà, moi j'étais en 2010, après je suis Ouais. revenu vers 2015, j'avais rien reconnu, tu vois. Ah ouais, J'avais mais rien une fois reconnu, pour donc ça veut dire que ça. là, Il bouge, hein, constant les gens. ça veut dire que si je viens là, je vais rien reconnaître, ok, mashallah. Et donc, ouais, les démarches pour obtenir les kamas. Alors, les démarches, comme je disais, au bout de 6 mois, tu n'as pas de travail. Donc, soit il ne faut pas stresser,
Tu restes comme ça tranquille. Tu restes comme Mais ça tranquille jusqu'à ce que. y a rien à faire pour obtenir les commandes au bout de 6 mois. D'après ce que je sais, à part aller à l'Azhar, je vois pas ce que tu peux faire. D'accord. Et Et à bien justement, part. en parlant de l'Azhar, il y a un frère qui m'a demandé comment ça se passe l'inscription là-bas. Bah, l'inscription, moi personnellement, jusqu'à présent, j'ai pas été à l'Azhar parce que je voulais pas y aller pour y aller. Je voulais pas y aller pour l'Ikrama. Donc, je connais pas vraiment les démarches, mais j'entends les gens autour de moi. Bon, bah, faut armer de patience. Parce que de plus en plus, après, c'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est les échos que j'entends. Mais c'est juste fatigue, quoi. C'est tout. Voilà, De plus en plus. C'est-à-dire que, on sait bien que s'ils pouvaient, les laïcars d'ici, là, faire fermer l'Azhar, ils le feraient. D'accord? Mais ils peuvent d'accord. pas, parce que c'est l'Égypte sans l'Azhar, c'est mort pour eux. Ah, ouais, ça. Mais ils fatiguent les élèves. Ça veut dire au niveau des démarches, ils font exprès de donner rendez-vous à des centaines d'élèves dans un endroit petit avec un seul employé, et ils revenaient demain, Boukra, Boukra, Sopra, Sopra, tu vois. De toute façon, tout ce qui est papier, il faut s'armer de patience, quoi. Et c'est tout. Sinon, tu vas avoir ton inscription, c'est pas le problème. C'est juste que tu vas te fatiguer. Faut être patient, hein. L'Égypte, faut être patient, c'est pas là. Et aujourd'hui, une Mais il faut personne avoir, qui... il faut, non. Il Non, faut oui, dis-moi, avoir, dis-moi là. quand tu arrives, et t'as ton Ikrama d'un mois, par exemple, ou alors tu fais un Ikrama de 3 mois ou de 6 mois auquel tu as droit, c'est à ce moment-là qu'il faut faire les démarches pour l'Azhar. Si ton Ikrama n'est plus valide, tu peux plus faire les démarches. Donc, Tu peux plus celui faire qui veut faire les évidemment. démarches, ouais, à n'importe quel moment de l'année, hein, il vient, il fait directement les démarches qu'on lui demande et il aura son inscription, je crois. D'accord. Et une personne qui vient en Égypte pour Talab al-Rizq, une personne qui voilà qui a pas beaucoup de moyens, elle a pas mis d'argent de côté, comment elle va se débrouiller pour gagner de l'argent mais à l'intérieur du pays? Franchement, sincèrement, moi, il y avait un Égyptien qui me disait, et j'ai pu le vérifier, c'est que l'Égypte, quand même, il y a la baraka ici. Déjà, à la base, c'est un La pays vie, elle qui n'est a, où pas il y a la vie. chère. Il y a la La vie, elle n'est baraka, pas... ça veut dire que la vie, elle n'est pas chère, voilà, et tout ce que tu fais là-bas, c'est, tu vois, ça prend, quoi, tu vois. Ça Ça prend... prend. Non, ça, c'est dingue. Mais en plus, celui qui fait la hijra pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il va lui faciliter encore plus, comme Allah, il a dit, tu vois. La hijra, Allah, il fait comme Mashallah t'avais expliqué à travers tes. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est quelque chose qui se voit. Donc, celui qui veut faire quelque chose, alors il y a plein de choses à faire. Et surtout que la communauté française, alors, la communauté française, Mashallah, il y a un groupe Telegram, on est au moins 1 000 dessus. Et franchement, Ah ouais, ça. carrément, 1000. Ah ouais. Franchement, la moindre chose que tu proposes, il y aura toujours des gens pour les acheter. Ça, c'est rien qu'avec la communauté française, tu vois. Donc ça, et le groupe Telegram, il est très actif. Les gens, ils font leur commerce, ça vend, ça achète. Voilà, chacun fait son petit truc, tu vois. Il y a des sœurs qui se débrouillent. Soit elles font des plats, soit surtout ça, ouais, des plats. Tu vois, Il y elles a s'en du sortent monde pas mal. encore hein, en Égypte alors. Non. Et il y a ceux qui, comme moi, un petit peu, qui, par exemple, voilà, ici, tu as des bonnes connexions Internet. Donc, tu donnes des cours en France. J'ai des cours d'arabe, par exemple. Il y a des frères, inchallah, tu vois, ils donnent des cours à des gens. Enfin, ça, c'est pour ceux qui peuvent donner des cours. Hein. Tu vois. Et aussi, ça, c'est mon cas personnel. Et aussi pour les livres, tu vois, les livres religieux. Vous voyez, les Tu livres les comme ça. vends, ouais, tu Voilà. vends. Parce que là-bas, c'est le fief, en fait. Les Ouais, livres, tout, c'est les fournisseurs. Moi, maintenant, je connais les fournisseurs de toutes les maktabas en France, Sana, tout ça. Je connais leurs fournisseurs. C'est ici, tu d'accord, vois. Et d'accord. voilà. Donc ça, Mashallah. ça. Et les livres, c'était dans quel quartier déjà avant? J'ai oublié le nom du quartier où il y a tous les livres là. Ah, c'est à l'Azhar? Les livres, vous les achetez là-bas? Ouais, c'est à Azhar qu'il y a tous les livres derrière D'accord, parce l'Azhar. qu'il y avait un quartier là, j'ai oublié comment il s'appelle. Il y avait un quartier, ils vendaient Pas beaucoup de livres. Darb al-Atrak? Non, c'est pas ce quartier-là. À chaque fois que tu voulais acheter un livre, tu disais va dans ce quartier-là. C'est Ce quartier. vers Ain Shams, Ain Shams. Oh, un chef, c'est autre chose. Peut-être, moi, je maîtrise pas la bonne. Parce que les femmes, souvent, ils disaient quand tu vas acheter des livres, Ain Shams, c'est tous les livres, etc. Alors, allez. Mashallah. Et en termes pour les enfants, c'est quoi la meilleure école en ce moment? Quoi, les écoles
Et les prix, et puis même pour les marquises aussi en ce moment, c'est quoi les prix? Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que les marquises, ils sont ouverts pendant les périodes de Covid? Donc, juste pour terminer pour le risque, il y a les frères, soit les frères, après, c'est vrai qu'en pourcentage, ceux qui se débrouillent sur place, ils sont peu, parce que il faut quand même être débrouillard, faut quand même, parce que les gens, ils se disent dans leur tête, on dirait que enfin, c'est pas un reproche, hein, mais pour eux, c'est qu'en France qu'il y a le risque, tu vois. Mais se débrouiller sur place, il faut avoir l'âme de commerçant, ça, c'est pas donné à tout le monde, en fait, tu vois. C'est pas donné à tout le monde de se dire que je vais faire mon business ici, je bouge pas, et c'est un faible pourcentage. Mais sinon, la plupart des frères que je Un coupure. Je crois que le frère, il a un petit souci. Le frère, il a eu un petit souci. On va attendre qu'il revienne, Inch'Allah. Sinon, je vais regarder les questions, le livre. Le live sera enregistré ou pas? Ouais, le live, je vais le laisser. Je vais le laisser, le live, Inch'Allah. On va attendre que le frère revienne. Après, je t'ai renvoyé une invitation, Inch'Allah. D'accord, il a dit 2 minutes, le frère. Bon, attendez patiemment, Inch'Allah. Attendez patiemment que le frère revienne, Inch'Allah. En attendant qu'ils reviennent, n'hésitez pas à poser vos questions à ceux qui ont des questions, les frères, les sœurs, etc. Tu pourras faire un live sur Médine, Inch'Allah. Médine, ouais, Inch'Allah. Je connais en plus, je connais des frères là-bas. J'essaierai de voir avec eux pour faire un live sur Médine, Inch'Allah. Le Caire, ouais, le Caire c'est combien de millions d'habitants, le Caire? Le Caire, je crois c'est 20 millions, même 30 ou 20, entre 20 et 30 millions d'habitants. Le Caire, c'est super grand, c'est l'une des villes les plus grandes du monde. Ouais, non, c'est 20 millions d'habitants, le Caire. C'est une ville très très grande. Mais je conseille à tout le monde d'y aller, hein. Ceux qui peuvent y aller pour la langue arabe, il faut même pas hésiter. Même moi, là, quand je reparle avec le frère, ça me donne envie de repartir là-bas. Et même pour mes enfants, j'aimerais bien repartir là-bas. Est-ce que c'est possible de s'inscrire à l'université Al-Azhar? Mes frères, il vient de dire que c'est possible, ouais. C'est possible. Mais faut s'armer de patience. Mais le frère, il a dit que c'était possible. La Mauritanie, ça, c'est le pays pour se poser, tu vois, pour se poser. Mais pour l'enseignement des enfants, j'ai pas vu mieux que l'Égypte. Hein. J'ai pas vu mieux que l'Égypte. La langue arabe, elle s'étudie en combien de temps? Écoutez, on va voir le frère. Le frère, il est plus apte. Comme ça fait longtemps qu'il est en Égypte, on va attendre qu'il revienne. Et comme ça, il va bien nous dire, Inch'Allah, pour la langue arabe.
Mais bon, je pense que ça, c'est pas on va dire, c'est pas un temps déterminé fixe, hein. Ça va dépendre de chaque personne, des facultés intellectuelles aussi de chaque personne. On va lui demander toutes les questions pour Subkal Ahad, etc. On va lui demander, inch'Allah. Salam alaikum. Ok, Harry, je t'envoie une invitation. Pour la sœur qui n'a pas compris le lien entre l'Ikama et l'Azhar, l'Ikama. Salam alaikum, Comme ça là, Harry. Ouais, tu as eu des questions là pendant que tu es parti. non. Mais c'est pas grave, on les prendra à la fin, Inch'Allah. On va Ça continuer le live et marche. à la fin, on les prendra, Inch'Allah. Ouais, je crois que la question que je disais, c'était T'enchaînes sur les enfants, je crois. ouais, les enfants, c'est les meilleures écoles pour les enfants, ou la meilleure, d'après toi. Alors, les meilleurs, c'est pareil. Après, c'est mon avis. Parce qu'après, c'est vrai que les frères, des fois, ils recherchent des écoles où peut-être par rapport au manhaj, ce serait approprié ou ceci ou cela. Mais sinon, au niveau des contenus et au niveau des méthodes des profs, parce que les profs, c'est tous les mêmes, en fait. C'est les Égyptiens qui gèrent. Et donc, tu auras beau faire le tour. Sensiblement dans les hadanas, dans les écoles, là pour les enfants surtout, à partir de 3-4 ans jusqu'à 6-7 ans, tu vas trouver les mêmes choses. Tu vas trouver les mêmes choses, à peu de choses près. Donc c'est pas la peine d'aller trop loin ou de trop changer. Parce que voilà, l'enfant c'est bien aussi, bon, s'il reste constant dans un truc. Après, à part si vraiment on voit qu'il y a trop de laisser-aller, etc. Mais sinon, sensiblement, c'est les mêmes choses. Après, ça dépend au quartier où on est. Moi, personnellement, mes enfants, ils sont à un marquage qui s'appelle Kisaï. Et ça fait pas mal de temps. Et franchement, en fait, là, ça se passe d'autant plus bien que celui qui a repris, là, il s'appelle Cheikh Jamel. Et franchement, mashallah, là, franchement, mon fils, il a 12 ans. Et là, c'est vraiment la première fois où je vois vraiment que là, il a envie d'avancer, quoi. Tu vois, tous les jours, il me dit, ah, je suis à telle sourate, ah, et là, il a avancé. Tu vois, là, comme on dit, il est sur la phase descendante, quoi. Et là, il va, Inch'Allah, qu'Allah, il va faciliter, tu vas. Le Coran, je pense que là, d'ici un an grand max, il va terminer parce que là, il arrive à la moitié, etc. Et tu vois, il est lancé, en fait, tu vois. Parce que là, il a trouvé une bonne dynamique. Et il y a aussi d'autres enfants qui, des Russes ou autres qui eux aussi ils ont bien avancé. Donc quand tu trouves ce mix-là, parce que c'est surtout les autres élèves aussi qui font la dynamique et le prof avec les autres élèves, quand tu trouves ça, alhamdoulilah, Tu me donnes envie de revenir en Égypte. Parce que nous, ah ici non. au Maroc, on a un problème, c'est que malheureusement, bon, alhamdoulillah, cette année, j'ai trouvé une bonne école pour mes enfants. Mais bon, mes enfants, ils sont encore petits. Le plus grand, il va avoir 7 ans. Là, j'ai trouvé une bonne école pour mes enfants. Mais le problème, c'est qu'à partir de l'année prochaine, c'est un peu compliqué, tu vois, au niveau de la primaire. Et ici au Maroc, la culture, elle est différente qu'en Égypte, dans l'approche. Avec le Coran, l'Égypte, c'est un pays de Coran, tu vois. Le Maroc, il y a du Coran, mais c'est différent de l'Égypte, tu vois, parce qu'au Maroc, tu sais, il faut surtout aller dans des villages, etc., tu vois. C'est assez compliqué, tu vois. Dans les villes, etc., c'est assez compliqué de trouver En fait, il faut savoir une chose, parce que pareil, moi, je veux pas vendre du rêve à qui que ce soit. Moi, je parle beaucoup avec les gens et tout. Le fait d'éloigner un peu les enfants, en fait, du Coran, ça, c'est pareil, c'est partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pays arabes, malheureusement, tu trouves que de moins en moins, il y a ce rapport avec le Coran. Alors que moi, le Ouais, Maroc, je connais, voilà. hein. Moi, j'ai été aussi. Moi, je suis un Marocain, en fait. Hein, tu vois. Moi, j'ai appris aussi le Coran après l'Angleterre. J'étais avec les Marocains et tout. Donc, je sais très bien que le Coran, c'est. Mais voilà, partout dans le monde arabe maintenant, tu vois, on apprend pas mal de choses et tout à gauche à droite, mais le Coran, il n'y a plus vraiment. Ouais, c'est à nous de donner ça à nos enfants, quoi.
Parce que dans les hadanas, en général, parce que ça, c'est une réalité. En général, mon fils, il a 12 ans. Des fois, hein, là, je vous parle de cœur à cœur. C'est-à-dire, mon fils, ça fait, depuis qu'il a 4 ans, il est dans ses hadanas. Depuis qu'il a 4 ans, aujourd'hui, il a 12 ans. Tu te dis quand même que, avec tout ce temps-là, normalement, il aurait dû finir le Coran, tu vois, plusieurs fois, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà quoi, tu vois, parce qu'en général, les hadanas, c'est pas vraiment des écoles coraniques, attention. C'est des écoles où ils font un peu de tout. Ça veut dire que tu peux rentrer à n'importe quel moment dans l'année. Donc c'est pas vraiment un programme, tu vois, qui suit du septembre à juin, que tu vois, tout le monde peut rentrer à n'importe quel moment de l'année. Donc c'est bien pour quelqu'un qui, voilà, un enfant, même qui a 7 ans. Même 8 ans, tu vois. Pareil, moi, je vous donne des exemples que je connais. Ma nièce, elle était arrivée, elle avait 7 ans, à l'époque, en 2013. Pareil, au bout de 2 mois, je la vois, elle parle l'arabe normal. Surtout les enfants, ils sont vraiment, machallah, tu vois. Les enfants, ils absorbent tout, ils apprennent vite. Et donc, au niveau du Coran, vraiment Coran, au vrai sens du terme, les hadanas, c'est pas trop ça, quoi. Mais c'est excellent parce que si ton fils, il a 7 ans, 8 ans, 10 ans, c'est difficile de lui inculquer l'arabe. Moi, je vous dis, venez 4 mois ou 6 mois, plus si vous pouvez, vous allez voir, le problème de l'arabe, c'est réglé. C'est-à-dire que maintenant, il peut comprendre, parler, et après, maintenant, on peut passer à autre chose, tu vois. Mais si, mais pour avoir un vrai cursus, il faut, pareil, aller dans les écoles azharites. Il y a des écoles azharites, ça commence de primaire, il y a primaire, il y a collège, Avant, c'était ça que lycée. les frères faisaient. Ils mettaient leurs enfants Ouais. dans les écoles azharites. Mais Il y c'est a un peu toujours. cher, ça, le problème. Ouais, voilà, si. Un petit peu. Pas trop, mais ça dépend. Il y a des qui sont très chers, il y en a moins chers. Tu peux trouver à des prix raisonnables. C'est vrai qu'il faut. Il y a... Et mettre les enfants dans ces écoles-là, ça donne l'Iqama aussi. Non. Ah, ça donne pas Oui, les. oui, oui. Si, si, Ah, si. Si, c'est des vraies écoles azharites. Ça donne les programmes. Mais il y a beaucoup d'écoles qui font ce programme, mais qui ne sont pas liées directement à l'Azhar, en fait. C'est juste, tu fais le programme. D'accord. En termes de Oh. connaissances, l'enfant, il aura les mêmes connaissances. Je crois que le frère, il a un autre souci. On va attendre qu'il revienne, Inch'Allah. Des bourses en Égypte, Wallahu alam, je ne pense pas. Hein. On va voir si le frère revient, il va nous aiguiller. Mais je ne pense pas qu'il donne des bourses, Wallahu alam. Le lien entre l'Iqama et l'Azhar, pour la sœur qui n'a pas compris, c'est que lorsque tu t'inscris à l'université, tu peux obtenir la carte de résidence. Donc c'est ça que beaucoup de frères y font. Ils s'inscrivent dans les universités pour obtenir la carte de résidence. Bon, désolé, hein, les frères, il a eu un petit souci, on attend qu'ils reviennent. En tout cas, le frère me donne envie de repartir en Égypte, là. Surtout pour les enfants, parce que subhanallah, c'est vrai que l'Égypte, c'est le pays pour l'enseignement des enfants, pour l'éducation des enfants. C'est le pays qui a mis tout le monde d'accord. Même les frères qui sont en Arabie Saoudite, qui sont au Koweït, au Qatar, dans tous les pays. Même au Yémen, l'Égypte, c'est le meilleur pays. Pour nous, les adultes, en termes d'apprentissage de la langue arabe, et pour les enfants, en termes d'enseignement, franchement, l'Égypte, c'est ce qui se fait de mieux. Les professeurs égyptiens, c'est des professeurs qui sont très, 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 très pédagogues.
Donc les frères et sœurs, ceux qui sont en capacité de pouvoir aller en Égypte, je vous le conseille fortement, ne tardez pas trop. Surtout ceux qui viennent de se marier ou ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui sont légers, ceux qui ont un enfant, deux enfants. Franchement, n'hésitez pas, faites-le. Ça, c'est le voyage dans sa vie qu'il faut faire. Dans la dounia, il y en a, il faut qu'ils aillent à New York. Dans le din, il faut aller en Égypte. Voilà, moi, c'est un voyage. C'est le voyage. Ouais, c'était l'un des voyages les plus importants de ma vie, moi, pour ma part. Parce que c'est le voyage qui te donne la langue arabe. Ça t'ouvre les portes de la compréhension de la religion. Oui, El-Azhar, c'est l'université. Elle s'appelle comme ça. Donc voilà. Ok, Harry, connecte-toi sur l'ordi, il n'y a pas de souci. Harry, Abou Saïd, tu te les fonce. Hein. Voilà, faut pas. En plus, ceux qui veulent se marier là-bas, il y a plein de sœurs célibataires. À chaque fois, il y a des sœurs célibataires, elles sont là-bas. Il y a plein de sœurs. Parfois, elles m'envoient des messages, elles veulent aller en Égypte et tout ça. Donc, ceux qui veulent se marier, vous pouvez vous marier là-bas. Mais franchement, l'Égypte, c'est le voyage à faire dans sa vie. S'il y a un voyage dans un pays qu'il faut faire dans sa vie, c'est en Égypte. L'Égypte, ça va vous faciliter la compréhension de la langue arabe. Ceux qui ont des enfants. Franchement, ceux qui ont des enfants, moi, je vous conseille d'y aller. Moi, aujourd'hui, j'aimerais trop amener mes enfants en Égypte. Franchement, c'est vraiment un pays pour l'enseignement des enfants. C'est ce qui se fait de mieux, même pour nous. Hein. Moi, j'ai une anecdote que je dis souvent, c'est que j'ai fait un livre d'arabe quand j'étais au Yémen. J'ai fait un livre qui s'appelle Mutamima, avec un shir. Un shir, c'était un savant de la langue arabe. Le livre, j'avais pas bien compris quand je faisais avec lui, parce que le shir, il donnait des explications vraiment complexes. J'avais pas compris. Quand je suis reparti en Égypte, je l'ai fait avec un professeur, il me l'avait très très bien expliqué, j'avais beaucoup mieux compris, j'avais mieux profité. Pourquoi? Parce que en Égypte, ils ont la pédagogie pour enseigner aux non-arabophones. C'est ce qu'il n'y avait pas au Yémen, en tout cas pour la langue arabe. Les Égyptiens, ils ont une superbe pédagogie pour la langue arabe, pour le Coran. Donc, les frères et sœurs, franchement, un conseil, s'il y a un conseil que je peux vous donner pour Allah Azzawajal, c'est que celui qui peut, qu'il aille en Égypte. Même ceux qui ont des enfants, franchement, allez-y. Ceux qui sont légers, franchement, allez-y. Ok, Harry, je te renvoie une invite. Par contre, ouais, c'est bon. Envoie le lien pour le direct. Comment je vais faire ça? Attends. Je te l'ai envoyé. Ou je sais pas, je sais pas. Je t'ai envoyé une demande aussi. Je t'ai envoyé une demande et je t'ai envoyé un lien en message. Ça n'a pas marché. Je t'ai réenvoyé une demande là. Le live, oui, le live, il sera, Inch'Allah, sur IGV, je sais pas comment on dit ça, IGVT, ou je sais pas comment on dit ça. En tout cas, je vais l'enregistrer, Inch'Allah.
C'est bon, le frangin, il est revenu, il va rentrer là, inch'Allah. Aris, t'as réussi à rentrer ou pas? C'est pas. Afficher, lancer. J'arrive, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Salaikum. Waalaikum salam. Ouais, ça marche pas bien le téléphone là-bas, avec le téléphone? En fait, le problème, c'est que le direct, on dirait que mon téléphone, il est en charge, mais ça fait que de descendre la batterie. D'accord. Ah ouais, Parce que d'accord. ça, le live, on dirait, Ça prend ça le beaucoup fatigue. de. Ouais, ça prend, ça Voilà. prend, ça prend. Ça y est, prêt, Inch'Allah. Akhi, tu avais reçu des questions. Une femme avec deux enfants, une femme avec deux enfants, 3-4 ans, combien de temps conseillez-vous pour étudier la langue arabe en Égypte? Répète, s'il te plaît. Une femme avec deux enfants de 3 et 4 ans, combien de temps conseillez-vous pour étudier la langue arabe? Je ne sais pas si elle parle de elle ou de ses enfants. En tout cas, si c'est les enfants, quand ils sont petits comme ça, il ne faut pas non plus espérer. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que eux, à cet âge-là, il faut qu'ils aillent dans les hadhranas et ils vont apprendre. Voilà, moi j'ai mon fils, mon dernier, il a 3 ans. Donc j'ai fait la même technique, maintenant j'ai l'habitude. Moi, ma fille qui est venue en deuxième, elle a appris l'arabe directement parce que je parlais au premier. Et le troisième, c'est la même chose, je ne lui parle que l'arabe. Donc on voit que, tu vois, quand il est avec moi, il commence à parler arabe, etc. Et depuis qu'il est rentré à l'école, là, depuis quelques mois, eh ben, c'est de plus en plus. Donc là, c'est la seule chose à laquelle on peut s'attendre. Mais par contre, le fait que moi, je lui parle arabe à la maison, c'est vrai quand même qu'il y a plus de progression. Parce que c'est vrai que s'il va à la Hadana et à la maison, c'est que français, c'est vrai que déjà, le résultat, on ne le verra pas forcément. Parce que nous, on ne va pas savoir. Parce que, tu sais, un enfant, c'est pas, il faut pas être. On peut pas juger les résultats, dire bon. Masluka, tu sais, ça dépend des enfants, mais tu vas pas pouvoir juger vraiment si il a progressé. C'est pas quantifiable comme ça. En fait, c'est pareil, c'est pour l'arabe et même notre enfant, en fait. Rien qu'en français, quand il commence à parler, c'est petit à petit, tu t'en rends pas compte, en fait. C'est pas, il revient de l'école, tu lui dis alors, Masmouka, tu vois, Kamoulouka, tu vois. Non. Surtout à 3-4 ans, tranquille, il faut qu'il aille surtout à la Hadana. Déjà, il passe de 8h30 jusqu'à 13h30, 14h. Donc là-bas, voilà, les mouallimat, elles ne parlent que l'arabe. Après, bon, s'il y a des enfants français là-bas, bah, il va parler français. Mais bon, en général, il n'y a pas que des français. Donc voilà, donc pareil pour les Hadana. Il y en a une, par exemple, au quartier là. Bon, ce n'est pas pour faire de la mauvaise pub ou quoi que ce soit, mais. Tous ils vont là-bas, en fait. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Dayane, je crois. Tout le monde va là-bas. Donc, l'enfant, il va à la Hadana. Il n'y a que des enfants de France encore. Donc là, la progression, ça va être compliqué. Moi, mon fils, où il est, ben, je ne crois pas qu'il y a pas de Français, pratiquement. Son meilleur pote, maintenant, c'est un Russe. Il y en a un qui est parti en Turquie. Même moi, j'ai eu mal au cœur pour lui parce que vraiment, il l'aimait bien, quoi, tu vois. Ah ouais, Le ça non. frère, le petit, il avait déjà fini le Coran, il faisait de la révision et c'est vraiment ça qui l'a boosté en fait. Et c'était un Russe, tout blanc aux yeux Masha'Allah. bleus et tout. Toi? Masha'Allah. Voilà. Masha'Allah. Donc quoi, ouais, en gros, Et voilà. ouais, les enfants, il faut être patient avec eux, mais en fait, ils vont apprendre petit à Ouais. petit comme ça. Petit à petit, ouais. Franchement, moi j'ai vraiment compris une chose, c'est que premièrement, c'est par principe. Jamais je vais critiquer. Oh, ça descend. Jamais je vais critiquer l'Égypte. C'est vrai, c'est pas parfait des fois dans les écoles. C'est vrai qu'en général, dans les écoles, ils les laissent un peu. Si on était là à l'école, on voyait ce qu'ils faisaient, on serait pas content, ça se trouve, tu vois. Ils les laissent un peu faire ce qu'ils veulent. Enfin, il y a des moments de flou. C'est un peu mode garderie, un petit peu. Mais ils apprennent au final, tu vois, avec le temps.
tu auras des résultats. Et donc, une personne adulte, combien de temps ça prendrait pour la reprendre? Bah, écoute, moi, ce que j'ai vu, le cursus en tant que tel, il dure un an. Mais au bout du quatrième module, d'accord, c'est-à-dire au bout de 4 mois à peu près, moi, je vois que les gens, ça y est, maintenant, ils arrivent à comprendre, à se faire comprendre. Moi, je le vois, ça, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout de 4 mois, 5 mois, si la personne, elle est un minimum sérieuse, et puis ceux qui… Après, c'est vrai, il y a des personnes, elles se sont débrouillées en France. C'est-à-dire en France, ils ont fait quelques petits cours à gauche, à droite, ils ont des petites bases, ils arrivent ici motivés. Ils ont des acquis, quoi. Des petits acquis, non. Après, il y en a qui viennent vraiment à 0-0, mais au bout de 4-5 mois, normalement, la personne, elle arrive à se faire comprendre, elle peut prendre les transports, prendre le taxi, faire ses courses, des choses comme ça, quoi. Inch'Allah. Combien il faut compter combien de temps pour le voyage en Égypte avant d'y faire Inch'Allah? J'ai pas compris cette question-là. Excuse-moi, parce que tu vois, là je suis descendu à 2%, ça risque de couper. Je sais pas pourquoi sur l'ordinateur, en fait, j'arrive pas à me connecter pour le direct sur l'ordinateur, en fait. Ah ouais, mais moi je savais même pas qu'il y avait Instagram sur ordi, on m'a dit que ça marchait pas. Quand tu mets ton chargeur. Je dirais que t'es limité. Hein? Quand tu mets ton chargeur, ça. Ça descend. Ça descend plus vite que la charge. Ouais, voilà. Là, ça va couper. Ouais. Bah écoute, si ça coupe, elle, Inch'Allah. Merci, je venais de vous demander. En fait, je vais me connecter sur un autre téléphone. Vas-y. Bah écoute, va sur un autre téléphone, on t'attend, Inch'Allah. Ça marche. Tac. Les frères et sœurs, on va faire quoi le temps que le frère il arrive, Inch'Allah. Je vais me reconnecter dans quelques minutes, le temps qu'il arrive, Inch'Allah. Celui-là, je le publie pour ceux qui veulent regarder, celui-là.